Bonjour, je suis Marie Cosette, la directrice du CRAC Occitanie, le Centre Régional d'Art Contemporain, à 7. Alors en ce moment au CRAC Occitanie, on présente une exposition rare et fascinante d'un artiste italien, Luigi Serafini. Il est né à Rome en 1949. Et Luigi Serafini, c'est un peintre, un sculpteur, un dessinateur absolument virtuose, mais c'est aussi l'auteur d'un livre qui s'appelle le Codex Serafinianus. Donc l'exposition, elle s'organise autour de livres que voici. D'ailleurs, je le présente à la caméra. Voilà, un très gros livre qui est aussi une œuvre d'art. Et toute l'exposition, c'est une sorte de pop-up géant de ce livre qui va se déployer dans toute l'exposition et permettre de décliner l'imaginaire et l'univers hybride de ce codex. Le Codex Serafinianus, c'est un livre qui a été écrit, conçu et dessiné pendant 2 ans par Luigi Serafini de manière quasi hypnotique, enfermé dans son petit appartement de Rome entre 1976 et 1978. Et pendant ces 2 années, Luigi Serafini a imaginé un monde du futur où tout est fait d'hybridation, de transformation. Le livre se présente en une série de plus de 300 planches qui décrivent de manière extrêmement minutieuse ce monde dans son ensemble, que ce soit les plantes, les animaux, les habitations, les moyens de transport. Tout y est parfaitement décrit et dessiné. Donc il y a une partie de dessin très très importante, absolument fascinante, qui se déploie de page en page au fil des planches de ce codex. Et l'autre particularité du livre, c'est qu'il a été écrit dans une langue inventée, un alphabet inventé par Luigi Serafini, qui se déroule aussi de page en page. Donc c'est un paradoxe qui est que le livre est écrit dans une langue incompréhensible et en même temps qui devient universel. Donc le livre, il a été diffusé dans le monde entier depuis 40 ans, il est sans cesse réédité, et il traverse les frontières, il traverse les langues du fait de son illisibilité, qui est un paradoxe. Il est à la fois illisible et accessible à tous. Donc on espère pouvoir réouvrir dès que possible et pouvoir vous accueillir aussi en grand nombre au CRAC pour voir ces deux expositions absolument incroyables. Et pour information, elles sont prolongées une dernière fois jusqu'au 5 septembre. Elles sont donc ouvertes tout l'été et on espère visibles très prochainement.